simple choices. On vit les uns contre les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Winter et Garou, les uns contre les autres. Allez, mettons une autre. Bonsoir, Garou. Alors, Ophélie Garou, vous aviez 4 ou 5 ans tous les deux lorsque Starmania est né. Hein. Est-ce que déjà, toute petite fille, ce genre d'opéra rock, de comédie musicale, vous donnait envie de faire un peu de chansons tous les deux, Ophélie, par exemple? Moi, j'étais petite, mais ça me fait vraiment rêver. J'ai une admiration énorme pour tous ces gens. Parce que moi, je serais incapable, quand je les regarde, je me dis, je serais incapable de faire ça, d'aller tous les soirs chanter. C'est tellement un exercice physique énorme que je suis complètement hébétée. Je les regarde en me disant, c'est waouh. Donc on ne peut pas imaginer un jour que tu ailles sur scène chaque soir pour être la vedette d'un spectacle de la sorte. Bah, sur une tournée, tous les soirs, pendant des mois comme ils le font, pendant des années même, c'est carrément, c'est... Garou, c'est le contraire, parce que moi, je suis plutôt jaloux parce que je rêverais plutôt de chanter debout quand même. La plupart sont debout, parce que moi, c'est 7 spectacles par semaine, mais plié en deux. Ah oui, parce que ça bosse. Il faut dire que dans Notre-Dame de Paris, il est plié en deux. Mais est-ce que tu espères un jour quand même pouvoir chanter normalement debout? J'en rêve. En tout cas, merci d'être venus ce soir tous les deux pour fêter Starmania. Les acrobates sont là avec nous, puisque les artistes sont sur scène, les artistes de Starmania pour Sextet. Je vous demande de les applaudir. Merci Garou, merci Ophélie.